La géographie du Canada est unique. Son histoire et ses récits aussi. Chez Ingenium, nous présentons les récits de science et d'innovation du Canada. Derrière ces murs, on donne vie à des objets grâce aux récits qui les ont façonnés, par leurs créateurs, leurs utilisateurs, par les leçons qu'ils nous ont apprises. Nous célébrons les gens qui osent penser différemment. Leurs récits reflètent la détermination de notre nation à apprendre, à s'adapter, à découvrir et à créer. Notre collection préserve les récits du patrimoine de notre pays. Nous abritons des millions d'artefacts et de documents d'archives qui touchent à tout, de la Terre à l'espace. Il n'existe aucune autre collection comme la nôtre dans le monde. Elle présente les contributions déterminantes du Canada aux sciences et à l'innovation. Les artefacts sont la portée d'entrée pour comprendre le monde d'une nouvelle façon. Ce qui peut ressembler à un échantillon d'eau bien ordinaire est un spécimen de la plus ancienne eau vive connue sur Terre, qui remonte à plus d'un milliard d'années. Nous sauvegardons plus que les artefacts qui nous sont confiés. Nous préservons respectueusement les récits de leurs utilisateurs et de leurs créateurs. Nous incluons les connaissances de communautés qui méritent l'équité en collaborant avec elles pour découvrir de nouveaux récits sur notre collection. Le canot d'écorce de bouleau de style algonquin est vieux de plusieurs siècles. Il s'agit d'un exemple de savoir-faire exceptionnel du peuple algonquin des Anishinaabe et représente l'identité, l'histoire, la culture et la langue. La mine d'Homme a plus de 100 ans d'histoire minière. Les inscriptions sur la porte de la mine soulignent des moments d'importance pour les mineurs qui les ont laissés, de la première neige aux événements historiques. Notre collection, qui couvre les transports, les sciences physiques, la médecine, les communications, l'agriculture et les ressources naturelles, démontre des impacts à vaste portée. Qu'il s'agisse de redéfinir la façon de mesurer le temps ou de lancer une technologie moderne d'émission par satellite qui améliore ainsi l'accès aux régions éloignées du nord du Canada. Que ce soit le premier, le plus vieux, le plus gros ou le plus petit en son genre, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez découvrir dans notre collection. Nos récits peuvent inspirer l'émerveillement. Il s'agit d'un moment et d'un lieu pour redécouvrir la contribution que le Canada a apportée au monde.